Merci. Ce soir, ça sera un peu différent que le reste de la conférence. Les femmes de devant ne parlent pas trop, ne fait pas trop de bruit, s'il vous plaît. On va avoir une discussion avec les discours courts, pas 20 minutes. On va voir. On ne veut pas commencer, on veut que vous commenciez avec la stratégie. S'il vous plaît, prenez un moment de penser des stratégies. Quel est l'objectif de ce débat? Qu'est-ce qu'on veut accomplir ce soir? On va avoir 6 contributions des personnes qui ont des questions. S'il vous plaît, être structuré et court. Je vais introduire le panel, les intervenants. Je vais commencer. Je commence avec les femmes. À droite, à votre gauche, on a Alexandra qui vient de Vienne. Elle vient d'Attaque Autriche. Ma droite, on a Marga Ferré qui vient de Madrid. Elle travaille pour Transition, c'est correct? Elle va parler de ça aussi. Transform Europe. Elle vient de Transform Europe. Ah, c'est difficile. Tout à droite, on a Ulrich Brandt. Il est scientifique, il est allemand, mais il habite à Vienne, si j'ai bien compris. Et tu es parti pour un peu de temps, mais parlez de nous comme Autrichiens. Je suis Andreas Fissan. J'habite à Bielefeld. J'essaie d'enseigner le droit. On m'a demandé de parler de stratégie. J'ai pensé à Marx. Il a dit, je ne peux pas entrer une association qui va m'accepter. Quelqu'un de vous peut-être le connaissez? Peut-être les personnes qui se souviennent des films Silence. Tout ce que je connais est un peu mélangé. Je vais parler en anglais et j'espère que ça va bien. J'ai assez parlé pour le moment. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir 3 ou 6 personnes avec une idée de la stratégie, ce qu'on a besoin? S'il vous plaît, allez à la micro à droite. Si vous disiez quelque chose, s'il vous plaît, commencez avec la langue dans laquelle vous allez parler, parce que les interprètes doivent changer de canal. Qui veut commencer?
Bonjour, Thomas. Je vais parler en allemand. Je ne sais pas si c'est aussi une citation des frères Marx, mais les stratégies sont importantes. Il est important de savoir comment fonctionne la société. Dans les cercles à gauche, on analyse la société. Et si on pense assez, on a une stratégie, mais il faut encore recommencer après. Il faut penser à ce qu'on doit faire politiquement et puis essayer et voir si ça marche. Je suis en faveur des discours. Avoir la stratégie correcte est important pour tous les mouvements, non seulement les nôtres. Il faut achever l'hégémonie des idées à gauche. Thomas, on ne parle pas de stratégie, on parle de qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on va? Pourquoi? C'est la question. Quel est l'objectif? La stratégie est un terme militaire. Il est utilisé avec les objectifs militaires aussi. Les généraux l'utilisent dans l'armée. Avoir un concept ou un objectif à achever qui est soutenu par la majorité est le plus important. Les transformations écologiques et sociales, ça sera peut-être un objectif principal, mais il y a beaucoup de tâches pour arriver à cette solution. Il est important d'avoir la fondation et à l'autre côté, il faut aussi les analyser. Nos objectifs peuvent... On peut arriver seulement à nos objectifs si on travaille ensemble avec la coopération. Premièrement, je veux dire qu'il faut avoir une stratégie. Il faut gagner. Il faut gagner dans l'année 2030 en dessous de 1,5. Et ça doit être global. Ça doit être une stratégie européenne. Il est important de coordonner à niveau européen, mais aussi il faut... Je vais parler aussi de quelque chose que j'ai entendu dans le climat. Il ne faut pas en prendre trop de travail. Ça fait partie de la stratégie. Il n'y a pas le concept de trop de travail. Il faut avoir tout ce qu'il faut faire. Une des stratégies, je sais qu'il y a quelque chose d'Ensofield Occupy qui veut parler. Quelqu'un veut venir ici? Le mouvement des jeunes va aussi radicaliser ce semestre, mais non seulement pour le mouvement des jeunes, c'est aussi pour le mouvement de radicaliser tout le mouvement. Comment est-ce qu'on peut radicaliser comme les parties différentes du mouvement et de faire plus qu'on fait maintenant? On a besoin d'une stratégie d'arrêter le changement climatique et il faut avoir une stratégie qui commence dans les racines. Je vais parler en allemand. Je suis d'accord. Il faut avoir une stratégie parce que ça fait un lien entre où on est maintenant et où on veut aller. On n'a pas les
moyens financiers d'essayer tous les idées. On sera tous fatigués. On dit aussi qu'il faut revenir dans les racines. Il faut avoir une analyse pour trouver nos attaques. On ne peut pas faire n'importe quoi parce que dans 5 ans, ça n'arrive à rien. On veut arriver à nos objectifs et c'est pour ça qu'il est important d'arriver à une stratégie. Mais c'est ça la question. Où est-ce qu'on veut arriver? Il faut parler des missions, des objectifs. C'est la première étape. Bonjour, je vais parler en allemand. Pour moi, le plus important, l'objectif le plus important est d'avoir une transformation écologique. Il y a aussi la potentielle à l'attaque, d'attaque, de l'utiliser et de combattre ensemble pour une transformation écologique, c'est ce que je veux. Une en plus, Thomas? Et puis on arrête. On voulait 6, maintenant on a 7. Viens en premier. Comment est-ce que les activistes du climat, avec les associations des jeunes et les syndicats, peuvent coopérer? Je pense que l'objectif le plus important est de maintenir les standards de vivre. Quand je regarde autour de moi, en 2020, pendant la pandémie, c'était la seule année où les émissions de CO2 n'ont pas augmenté. Je pense que ça doit être un exemple. On avait pendant la pandémie, les travails, beaucoup de personnes ne pouvaient pas travailler et beaucoup de personnes ont arrêté. Et je pense que ce sont nos objectifs. Il faut avoir les confinements pour le climat. Merci pour le forum innovatif. Je pense que les objectifs pour la stratégie les objectifs de transformation écologique et de sauver la planète. Et je crois que ATTAC est le plus affectif si on a une coopération internationale. Il y a un danger si on dit qu'il faut écologiser les politiques. ATTAC doit demander les changements au niveau international. J'ai entendu quelque chose cet après-midi que je n'ai pas bien compris. Les dettes dans le sud global est une des raisons de l'extraction et qui arrête l'activisme écologique. Une idée est d'avoir une coopération avec la Banque mondiale. Autre chose, il faut demander que le droit international revienne
servir les droits de l'humain. Et je suis sûre que quelqu'un d'autre peut m'expliquer mieux que moi. L'idée est de prendre le traité de Paris pour inclure le Coggins. Et ça peut pas être surmonté par les droits. Les droits sont annulés qui ne sont pas d'accord avec le traité de Paris. Nos objectifs, ce que vous avez dit, sont différents. Il y a une exception. Il faut penser de nos objectifs et je vais commencer avec cette idée. C'est un peu plus large que les autres et peut-être plus spécial. Est-ce que vous avez des idées pour la vision de construire, comment construire les visions, nos objectifs et de les agir? Vous voulez commencer, Alexandre? Du hast es eh schon genannt. Also eine Vision, mit der wir in Österreich arbeiten, aber ich habe auch das Gefühl, dass das. Une vision sur laquelle on travaille en Autriche, c'est cette utopie, cette idée de la bonne vie possible pour tous et toutes. Et cette déclaration, c'est pour vraiment tout le monde. Et tout le monde, ça inclut la nature. La bonne vie pour tout le monde veut dire pour nous aussi la manière dont nous concevons les choses, dont nous organisons les choses, dont nous avons besoin, en s'orientant sur le besoin et en le faisant de manière à ce qu'on n'ait pas comme un coût pour les autres. En Europe, en Allemagne, en Autriche, que ce ne soit pas un coût pour les autres. Et c'est notre idée qui nous guide. Et donc toutes nos exigences, ensuite, et nos batailles, et nos stratégies, nous allons les décliner à partir de cette idée-là. Ça fonctionne. OK. Je viens d'un réseau de fondations politiques, de penseurs. Ma vision, c'est que nous devons nous disputer sur le futur. Nous sommes en Allemagne, le pays où nous avons vu la fin de l'histoire après la chute du mur. Et on avait un narratif qui, à ce moment-là, disait, il n'y a pas de futur. Il n'y a rien d'autre dans le monde que du capitalisme, c'est ce qu'il disait. Et nous sommes là pour dire non. Il y a une manière de faire les choses. Et nous sommes là pour le montrer qu'un futur différent est possible. Bien sûr, je dois parler allemand. Il y a une grande différence avec l'alternative et no future. Il fallait que je le dise en anglais puisque new future, c'est l'expression qui n'a rien à voir avec les néolibéraux de la musique punk. Enfin bon, voilà. Je pense que nous avons quelque chose de plus simple en fait que ce que nous pensons quand il s'agit d'horizon et de vision, puisque nous savons beaucoup de choses. Ce midi, j'ai déjà dit, nous venons de terminer un livre, La stratégie de la décroissance. J'étais dans cette salle. J'étais sur un forum social avec Alexandra aussi. Alexandra, quand on voit tout ce qui est déjà en discussion, la souveraineté alimentaire, l'économie du care, la formation, l'accès à la formation, d'autres formes pour produire, l'échange, il y a tellement de choses déjà, et mon plaidoyer serait que ça pourrait devenir un horizon, mais il faut que ça vienne à partir de la pratique. J'ai parlé du forum social mondial. Le dernier jour, 25 groupes de travail ont
se sont réunis et ont parlé de contre les mines, contre la privatisation de l'eau, pour les droits aux indigènes, peuples indigènes. Ils avaient leurs propres horizons et à ce moment-là, on arrive à faire quelque chose ensemble. Je pense qu'on n'a pas besoin non plus de se casser la tête pour créer un nouvel horizon. On a déjà toutes ces idées quand on voit les conflits, les problèmes actuels. Donc ce serait mon plaidoyer de dire, voilà, la souveraineté alimentaire, ça fait depuis 25 ans que c'est un sujet important qui a fait bouger les choses. Nous avons besoin de trouver une autre manière de nous nourrir, mais elles existent déjà, ces nouvelles, ces autres manières de se nourrir. Merci beaucoup. Si nous continuons maintenant, la belle vie, la bonne vie, on y reviendra sûrement à la fin. Si on continue avec, tu as utilisé un mot-clé, degrowth. Faudrait qu'on en parle un peu. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ces termes. On va utiliser degrowth. Est-ce que degrowth est un élément essentiel pour retenir le changement climatique? Ou y a-t-il d'autres éléments? Alors là, il faudrait qu'on explique, qu'on épelle ce que veut dire degrowth. Comment est-ce qu'on sort de la croissance? C'est une question difficile, mais peut-être qu'on peut essayer. Peut-être que c'est un point clé. Moi, j'aurais envie de dire oui, mais on peut voir ça de manière différente. Et deuxième question aussi, comment est-ce qu'on va en sortir de cette fétichisation de la croissance? Peut-être que c'est une structure pour ça. Faudrait le savoir. Alors, je répète un peu parce qu'il y en a beaucoup qui étaient là à midi. Alors, pour moi, degrowth, décroissance, ça ne veut pas dire réduire. Ça veut dire n'être plus sous l'impératif capitaliste de croissance. Les transports publics doivent croître. Nous devons faire grandir beaucoup de choses, en fait. Mais aussi pour le sud global, la décroissance veut dire sortir du capitalisme accumulateur, de l'extractivisme, de l'oligarchie qui, de manière cynique, regarde qu'elle soit de plus en plus riche. Donc je vais essayer d'être court. Ce sont des conflits concrets de cette logique capitaliste de faire croître tout le temps l'alimentation, la mobilité, la croissance des villes, le développement des villes. Si on regarde à Berlin, par exemple, l'association Wohnen und Co. des expropriations, c'est une initiative de décroissance. Et donc, il faut mettre en place des politiques institutionnelles, il faut créer des lois. Il faut attaquer le droit de la propriété, donc il faut faire des lois, et donc ça c'est une forme de décroissance. Il faut repousser l'idée du capitalisme, l'idée de croissance. Alors, et puis après, il y a aussi les questions des taxations et des recettes de l'État. Mais bon, voilà des idées de décroissance. Je pense que je suis d'accord avec cette idée. Comment le dire? De la même manière que le féminisme essaye de détruire le patriarcat et la domination politique, culturelle, sociale, hiérarchique contre les femmes, c'est possible de penser le monde d'une manière émancipée ou émancipatrice. Ce qui est vrai, c'est que c'est impossible d'analyser le monde si nous n'incluons pas les limites de la planète. C'est la science, c'est pas une question d'opinion, c'est pas une question d'idéologie. Toute analyse des possibles futurs ont des limites de la planète, comme une donnée, un fait à prendre qu'on ne peut pas remettre en question. Donc, pourquoi? Je pense que le problème, pour la première fois depuis de nombreuses années, les défenseurs de la manière capitaliste de produire n'ont pas la science de leur côté. Et faire ce lien avec la science, avec les académiciens. Nous avons ça de notre côté maintenant. Cette manière de produire et de concevoir n'est pas pour la planète, n'est pas pour les humains, c'est un fait.
La théorie de la décroissance ou la décolonisation, la démondialisation. Mbello est en prison actuellement. Il a écrit il y a 20 ans sur la mondialisation, comment on peut faire pour consommer de manière différente. Ces théories reviennent parce qu'elles sont logiques et équitables. Et donc, je soutiens de creuser dans ces théories-là. La classe qui dirige avec ces méthodes est suicidaire, donc nous devons prendre ces théories-là et les développer, avoir un dialogue fort pour changer le cours des choses. Oui, je pense que ce qui a été dit, je ne voudrais pas y ajouter grand-chose. Le défi pour nous, avec le contexte actuel, ce qui vient vers nous à l'automne, avec l'augmentation des coûts de la vie qui vont augmenter, comment est-ce qu'on peut traduire ça dans des actes et des étapes concrètes, des stratégies pour être présent, être en mesure de faire des propositions, des choses à faire. Quand on regarde ce que sont les exigences de la part des États, par exemple, des gouvernements ou des acteurs qui veulent réduire, par exemple, la TVA, ou qui veulent changer les prix sur des aliments, ou sur l'essence, ça ne se s'articule pas avec l'idée de décroissance. Et donc, l'idée pour nous, elle est comment est-ce que nous, on peut être présent là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et là, il y a certaines propositions qu'on a. Donc, j'aimerais bien donner quelques idées vers un premier axe stratégique. Nous avons aujourd'hui eu un super échange avec des mouvements sur cette question-là et une idée qui est venue à ce moment-là et qui est aussi discutée concrètement en Autriche, mais aussi dans d'autres pays, c'est de dire la réponse à l'augmentation des prix des carburants, de l'énergie, avec des gens qui savent plus comment ils vont payer leur facture. C'est pas la réduction de la part des taxes, mais c'est de mettre en place fournir de l'énergie de manière fondamentale et de mettre à disposition ça de manière publique, que tout ce qui soit au-delà de cette quantité de base soit considérée comme du luxe avec des prix supérieurs. Et donc, comment est-ce qu'on peut organiser ce champ-là et quelles sont nos réponses? Je crois que là, ce sont des choses très concrètes dont on peut parler. Et comme ça, on ne parle pas de ces exigences, par exemple, d'une fournir une quantité de base d'énergie. Donc, sans devenir trop complexe, parce que ce sont des choses des discussions qu'on ne comprend pas toujours sur l'énergie, mais de proposer quelque chose qui permet de répondre à des exigences et à des stratégies, et voilà. Alexandra fait la dame qui parcourt l'ensemble du champ alors que moi je commençais à jouer avec les fermiers. Alors aux échecs on peut faire ça, non? Est-ce que ça va? On a toujours les ciseaux dans la tête, est-ce que j'ai dit quelque chose de faux, de mal? Ouli, tu as dit. Degrowth ne veut pas dire réduire, ne veut pas dire fondre. Et on a aussi dit qu'on atteignait les limites de ce qu'il est possible de faire sur notre planète. Si je résume ça, alors une redistribution pourrait être une alternative. Ça veut dire on distribue de manière différente. Les riches nécessitent beaucoup plus d'énergie émettent beaucoup plus que les pauvres, de manière globale. Mais si on a déjà atteint les limites de toute manière,
ou même dépasser les limites par rapport à ce qui a été dit, mais je vais prendre ça comme prémisse. Alors, la redistribution des riches vers les pauvres ne suffit pas. Il faut aussi réduire, diminuer. Oui, c'est ça que le philosophe Theodor Dornemann appelle l'alternative. Créer de la, du bien-être différemment. Nous devons réduire à 5 millions les voitures en Allemagne. On aura moins de voitures, mais on doit mettre en place un modèle de mobilité et de bien-être dans la mobilité. Nous avons besoin de trains et de moyens de mobilité. C'est pas forcément moins, c'est quelque chose de différemment. Faire différemment, c'est ça l'alternative. Donc, la thèse selon laquelle la science est de notre côté, c'est possible que ce soit comme ça, mais je trouve qu'il est intéressant ce qui a été dit sur les stratégies en introduction. Mais le camp opposé prend aussi les scientifiques de son côté. Nous devons agir de manière rapide. Le projet du capitalisme vert. Que dans un contexte, dans des conditions capitalistes, la base des ressources doit être changée, décarbonisation, mais les capitaux restent les mêmes, la même importance. On continue à exploiter le sud, l'extractivisme vert. Alors, il ne faut pas sous-estimer ça. Ma thèse, c'est que pour l'Allemagne, encore plus que pour l'Autriche, ce projet du capitalisme vert est pour beaucoup de personnes plausible. Ce que nous avons avec Baerbock et d'autres personnes, ce que nous constatons, ça a beaucoup de résonance au sein de la population et nous devons le prendre au sérieux. C'est tout à fait faux que 50 millions de voitures en plus... Ah, de voitures électriques, pardon. C'est-à-dire, il faut qu'on... Avec les faits que nous connaissons, oui, mais il faut bien qu'on comprenne ce que c'est que le capitalisme vert, parce que c'est des choses tout à fait fausses vers lesquelles on peut être emmené. Ça peut être dramatique. Plutôt dramatique. Puis-je continuer? Une des plus incroyables choses pour moi, quand je vois en particulier les politiques du changement climatique par les gouvernements, l'irrationalité des réactions. Le changement climatique est indéniable. Combien on pollue? Quels sont les secteurs? Quels pays? Qui sont les propriétaires des entreprises qui polluent le plus? Pourquoi est-ce que cela arrive? C'est pas un manque de connaissances, c'est une décision politique, c'est idéologique. Et cette décision idéologique est un dogme, selon moi. Que le marché libre a l'unique instance pour décider comment on redistribue. Pour la majorité de la population dans le monde, nous avons besoin d'interventions économiques. Pas parce que nous sommes des radicaux, mais parce que c'est nécessaire. Je veux revenir à la loi, à la règle de la loi. La question, pour moi, c'est la rationalité. Et de notre côté, pas juste la science, la rationalité. Nous sommes les gens réalistes à la gauche. C'est être radical aujourd'hui, être réaliste. Parce que la réalité est aussi radicale que nous devons être. Je vais te poser une question à toi. Nous sommes de nouveau dans le même rythme. Chacun dit quelque chose. Oli dit que le changement technologique, la transformation technologique n'est pas une solution pour répondre de manière raisonnable au changement climatique.
le changement climatique est le minimum et une situation acceptable de la Terre est encore beaucoup plus plus ample comme projet. Nous devons nous attaquer à la logique de marché. Maintenant, ma question. L'Union européenne dit nous faisons un Green Deal. Selon la logique de marché, nous essayons de transformer notre économie. Est-ce que c'est une possibilité de connecter une stratégie là-dessus? Ou est-ce que c'est un point sur lequel il faut intervenir en s'opposant de manière oppositionnelle? Alors, donc c'est une question de stratégie, effectivement. J'essaie de me souvenir combien d'acteurs qui sont ici, dans la salle, ou peut-être pas, se sont occupés de la question du Green Deal et ont essayé d'intervenir là-dessus. Et ce n'était pas les grandes masses de personnes qui ont travaillé là-dessus. De mon point de vue, ça a à voir avec plusieurs choses. La première chose, c'est que c'était assez difficile d'intervenir sur ce processus. C'est relativement difficile d'arriver à quelque chose. Et la question aussi, c'est quand on parle de stratégie, où on envoie ses ressources, où est-ce qu'on envoie son énergie dans une stratégie où on arrive à faire quelques éléments, on atteint quelques éléments qui vont vers ce dont a parlé Oli, avec un capitalisme vert, ou est-ce qu'on veut envoyer son énergie, ses ressources dans d'autres domaines qui s'attaquent plus bas, aux racines, et où on pourrait être en mesure de mettre en place une transformation vers une autre société, une autre manière de vivre. On arrive à avancer mieux comme ça, dans cette direction. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes et de mouvements qui ont envie d'envoyer l'énergie vers autre chose que dans une transformation minimale d'un cadre avec plus de pouvoir, plus de pouvoir d'action. Donc si on reprend, je travaille au niveau du commerce, sur les travaux en question de commerce. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et beaucoup de grands événements là-dessus. On a réussi à empêcher des choses, mais dans la phase actuelle, c'est un défi. Donc, je pense que les stratégies des mouvements que je vois et dont je fais partie, on accroche à un autre endroit de la transformation. Donc j'avais envie de compléter à une question encore de tout à l'heure. Le livre de Harald West, j'ai trouvé intéressant comment, sur la base de son infarctus, il a eu cette réflexion sur la question que nous n'avons pas une culture de « on s'arrête ». Que c'est une partie de ce que nous devons intégrer dans nos stratégies. Comment arrivons-nous à cela? À la culture de « on s'arrête ». Et développer ça. Donc trouver comment changer et des solutions. Et pourquoi est-ce qu'en Allemagne, c'est pas possible, et dans de nombreux pays, de rouler moins vite, par exemple? Pour une mesure très simple, à court terme. Cette culture d'être capable de s'arrêter, s'intéresser à cette culture, et que cela peut avoir un grand effet en Europe, peut-être plus que dans d'autres régions du monde encore. Et là, on pourrait gagner quelque chose. Avec quoi voulons-nous arrêter? Avec quoi devrions-nous, mais avec quoi voulons-nous
arrêter et intégrer ça dans nos batailles. Tu vois tout à fait. Alors, si j'ai bien compris, il va être plus facile de mettre un terme au capitalisme que d'influencer le pacte vert. Je vais proposer cette question aux autres. Et je vais demander à Maga. Je sais que toi, tu es juriste, c'est pour ça que tu as probablement aussi lu Marx. Alors, je vais parler de cette culture de s'arrêter. La croissance est une question des contraintes structurelles dans l'économie. Et quand je suis un capitaliste et il y a de la concurrence, je ne peux rien faire, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas sortir du système économique. Donc, je suis obligée de participer, de continuer. Je ne peux pas m'arrêter, je dois toujours produire et faire plus. Et est-ce que tu penses qu'une culture de l'arrêt nous fait avancer ou quel serait un bon point de départ pour une stratégie? Je pense qu'il y a peut-être un problème de traduction. Tu sais que moi, je défends il faut faire des pas ensemble, il faut avancer ensemble, pas seulement en Espagne, en Allemagne, aussi au Chili, par exemple, dans le monde entier. Et nous pouvons apprendre les uns des autres, ce qui est très important. Mais la politique a encore beaucoup de pouvoir, même dans nos démocraties, qui sont aujourd'hui un peu plus faibles. La société et les partis politiques doivent changer. Et j'ai lu quelque chose sur l'Allemagne ce matin. C'est le bon moment, c'est la bonne opportunité de faire changer les choses. Il est évident qu'il faut changer des choses maintenant. Il est évident que nous ne pouvons pas continuer comme ça, pas avec le même narratif qu'avant. Et que nous ne pouvons pas diviser le monde entre les bons et les mauvais. Et je trouve qu'il est très important de parler avec beaucoup de personnes pour connaître toutes les perspectives. Et puis, il faut agir sur la base de la loi. La loi, ça veut dire des limites, ça veut dire arrêter certaines choses. Et cela doit être balancé, mais aussi obligatoire. Il faut des limites pour les entreprises. Il faut que les entreprises respectent aussi ces limites. Et tout cela, il faut le repenser. Il faut des nouvelles structures, des nouvelles lois, des nouvelles limites pour limiter le capitalisme. Oli, est-ce que le droit est alors la solution? Nous avons eu le forum sur la démocratie tout à l'heure et nous nous sommes posé la question pourquoi est-ce qu'il y a de l'extrémisme de la droite et de la gauche? Pourquoi est-ce qu'il faut juste faire des choses qui sont bien pour l'économie? Je vais y répondre tout à l'heure. Je connais bien Harald Welz, nous avons parlé de lui. J'ai aussi lu son livre et je n'ai pas bien aimé son livre. Et j'aime pas sa façon de parler de ce sujet. Je suis pas d'accord avec lui. Juste un aspect sur le pacte vert. Et je trouve que c'est très important pour notre débat. Ursula von der Leyen a présenté le Green New Deal en 2019, en décembre. Et il y a plein de gens autour d'elle qui ont préparé ce pacte vert. Elle savait déjà qu'elle allait être présidente de la Commission. Et c'est une réponse au mouvement climatique. C'est pas seulement une réponse à la crise, mais aussi une réponse au mouvement et à ce sujet qui... Beaucoup plus de gens s'intéressent à ce sujet aujourd'hui, donc elle donne une réponse.
Et elle n'a peut-être pas envie de réagir, mais elle est obligée de répondre. Et là, je voudrais bien dire deux choses là-dessus. En ce qui concerne les différents sujets, l'agriculture, la mobilité, les logements, dans ces secteurs, il y a bien des groupes qui veulent changer des choses. Pas tous sont des capitalistes qui ne veulent rien changer. Et le deuxième point, est-ce qu'il y a des points de départ? Est-ce qu'on peut nouer à quelque chose? Par exemple, une idée dans l'agriculture de rendre les chemins plus courts, les chemins entre les producteurs et les consommateurs, c'est une bonne idée. Mais quand on s'est réunis, c'était l'industrie agricole qui a pu s'imposer. Et là, j'aimerais bien poser une question. Est-ce qu'il y a des points de repère? Est-ce qu'il y a des points qu'on pourrait utiliser pour notre stratégie? Et maintenant, je vais répondre à la question sur le droit et le capitalisme. Le capitalisme n'est pas un système qui règne partout. Mais cela veut dire que c'est un système qui structure notre société, la mobilité, le logement, l'automobile. Mais dans tous les secteurs, il y a déjà des alternatives. Nous avons aujourd'hui une agriculture écologique. Nous avons aujourd'hui les transports en commun ou les logements publics. Et il faut rendre ces mouvements plus forts. Alors, le plus important, c'est ne pas de mettre un terme au capitalisme. Et Maga a parlé du Chili. Au Chili, par exemple, le logement est tout à fait public. Et j'espère que j'ai bien expliqué mes idées, que vous avez bien compris. Bien sûr, le capitalisme pose des problèmes. Mais il y a déjà des alternatives aujourd'hui. Et en ce qui concerne le droit garantit le capitalisme, c'est vrai, mais dans le droit, il y a aussi plusieurs luttes. Et s'il y a une nouvelle constitution au Chili, cette année, cela ne va pas abolir l'oligarchie et d'autres problèmes, mais ça peut être un nouveau point de départ. Et alors, le droit, il nous donne des possibilités de nous opposer. Et ce que j'aimerais bien dire à Maga et à Andreas, il ne faut pas seulement compter avec le droit, mais aussi avec d'autres aspects de notre société. Nous avons besoin d'une société qui change, une société qui ne veut plus les grosses voitures, par exemple, une société qui ne veut plus rouler aussi vite qu'aujourd'hui. Alors, ce sont plusieurs aspects qui vont ensemble. Alors, nous ne pouvons pas seulement travailler avec le droit. Oui, le droit, il peut limiter certaines choses, mais nous avons besoin d'une société qui change. Quand Alexandra a parlé, j'avais envie d'ajouter quelque chose. C'est de nouveau la même discussion, réforme ou révolution. Et Ouli, il veut réformer les choses, c'est sa position social-démocrate. Ah, je vais lui payer une bière après, il n'a pas aimé cette blague. Et Alexandra, elle est en faveur de la révolution. Révolutionniste. Tu as la parole. C'est bien ta position? Ce n'est pas encore ouvert au grand public, mais ils peuvent attendre. Alors, je pense que nous avons besoin de plusieurs éléments.
Et moi, j'aime bien faire un pas après l'autre, un point après l'autre. Alors, je suis d'accord avec Oli, ça dépend. Mais j'aimerais bien faire le pont vers d'autres aspects pour être un peu plus concret. Et j'aimerais bien parler de plusieurs points de vue et d'apprendre d'autres perspectives après. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec 30 ou 40 personnes de pays différents et nous savons que les augmentations des coûts vont causer des problèmes, surtout dans l'automne. Et nous nous sommes échangés pour savoir quelles sont les solutions dans les pays différents, qu'est-ce que les gouvernements font, qu'est-ce que les mouvements font. Et quelles sont les différentes perspectives? Et l'idée de base que nous avons toutes et tous partagée dans cet atelier était qu'il faut travailler, il faut être actif, il faut utiliser ce moment pour empêcher que la gauche ou la droite, les extrémistes, prennent le champ. Et le défi à relever, c'est de trouver des solutions concrètes, des idées plus concrètes. J'ai déjà parlé de l'énergie de base. C'est une possibilité que nous sommes en train de discuter en Autriche. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'il faudrait aussi des revendications en commun, surtout les salaires plus élevés pour tous ceux qui travaillent dans les soins. Et dans l'éducation, c'est un domaine très important. Et un salaire plus élevé serait une réponse à l'augmentation des coûts de ces gens-là. Ou d'autres idées, comment nous pouvons organiser des réseaux d'aide dans le voisinage, par exemple, pour cela, il faut aussi trouver une solution. Et ça, c'est un possible point de départ pour la discussion. En Autriche, au Royaume-Uni, en France, dans plusieurs pays, les mouvements se sont réunis, ATTAC s'est rencontré avec d'autres organisations climatiques, par exemple, écologiques. Avec les mouvements féministes, avec les syndicats, pour en discuter, pour s'organiser, pour trouver des solutions et pour aller dans la rue. Et je trouve que cela, c'est une stratégie très concrète. Et une deuxième chose que j'aimerais bien expliquer, très brièvement. Alors, c'est la crise des soins. Je parle plus fort que toi. Non, mais j'aimerais bien parler de la crise des soins. Et après, tu peux ajouter des trucs si tu veux. Et non, en fait, une autre chose avant ces aspects plus concrets. Un des collègues m'a demandé comment est-ce que se passe la coopération avec les syndicats. Les militants du climat et les responsables des syndicaux. Alors, le capitalisme mène à la croissance et les mouvements des travailleurs et des travailleuses à intégrer les intérêts sociaux dans le capitalisme. D'un côté, c'est l'État. Et de l'autre côté, c'est la participation des travailleurs et des travailleuses dans les entreprises. Est-ce qu'il faudrait maintenant essayer d'appliquer la logique de l'écologie dans l'économie, c'est-à-dire dans les entreprises? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ATTAC pourrait, par exemple, aller dans les entreprises ou est-ce que c'est impensable? Et j'aimerais bien en savoir plus sur la coopération avec les syndicats. Tu veux commencer?
Alors, j'ai plus de 50 ans. Et dans les années 90, il était vraiment difficile d'être de gauche, surtout en Espagne. Et maintenant, je suis heureuse. Je vois plusieurs mouvements, des mouvements qui n'existaient pas il y a 20 ans. Par exemple, les syndicats qui coopèrent avec les mouvements climatiques. Et les idées. Alors, il faut trouver une nouvelle tactique, une nouvelle stratégie et faire changer les choses. Alors, le problème, ce n'est pas seulement les mouvements des travailleurs et des travailleuses. Ces mouvements sont très importants. Il faut intégrer les travailleurs et les travailleuses. Parce que c'est eux qui souffrent aussi du capitalisme. Pas seulement les travailleurs, les travailleuses, surtout aussi les femmes et les immigrés. Et nous voyons aussi que le colonialisme continue aujourd'hui sous des nouvelles formes. Et aujourd'hui, coopérer avec les autres mouvements est essentiel. Et cela nous rend plus forts. Cela nous fait comprendre les points de vue, les perspectives des autres. Et l'idée de la solidarité, de juste être ici, de dire je suis solidaire avec toi. En fait, il faut vraiment comprendre les problèmes des autres et continuer la lutte ensemble. Et bien connaître les autres, comprendre leurs problèmes. Et une autre chose, il y a des recherches d'un professeur de la Colombie qui a publié un rapport sur le télétravail et comment cela va influencer les entreprises et les travailleurs et les travailleuses. Et en fait, il a recommandé qu'il ne fallait pas faire les réunions sur Internet, mais de se rendre sur place. Alors, cette sorte de réunion, cette sorte de conférence d'ici nous rend beaucoup plus forts. Deux choses que je veux dire sur le mouvement de travail. Comme Alexandre a dit, Autriche a montré qu'il y a des syndicats non seulement ça, mais il y a des acteurs forts qui arrivent à ces objectifs. Je pense que c'est important de répondre à la question d'Andreas. Dans les pays différents, en Autriche, en Espagne, il y a les entreprises qui sont écologiques. Il y a les entreprises nouveaux qui ne sont pas, qui n'ont pas des syndicats. Souvent en Autriche, il y a les entreprises avec les conditions de travail très mal, très mauvais, mais n'ont pas de syndicats pour avoir des changes. Dans des industries, je suis souvent invitée et je demande si ces entreprises peuvent questionner leur modèle d'entreprise. Non seulement de construire les voitures plus petites, mais moins de voitures. Et ils répondent non. Je pense que leur gouvernement doit donner des règles très claires pour les faire plus petits. Ça ne vient pas des entreprises, des syndicats.
On parle souvent des syndicats. Ils sont très différents. On a les jeunes ici. S'il y a un change de génération dans un syndicat en termes de démocratie, on espère que les jeunes qui souhaitent prendre l'attention, on demande où est-ce que la transformation écologique peut nous amener. Comment est-ce qu'on arrive à une transformation écologique? Je ne veux pas seulement parler des syndicats, mais aussi Fridays for Future. C'est un problème en Allemagne. Comment est-ce qu'on peut coopérer? Ma question, je vais répéter, mais aussi sur le syndicat, j'ai dit quelque chose un peu différent. Est-ce que je peux avoir le modèle écologique dans le modèle d'entreprise? Est-ce que les entreprises peuvent avoir les intérêts écologiques en tête? Et est-ce que ça peut être une partie de la prise de décision? Par exemple, en WV, en tant que professeur, personne, une heure, on discute et après, on donne la parole au public. Je suis totalement contre. Si quelqu'un me met sous pression, une heure pour nous, et on a commencé à 25 après 20 heures, et puis le public. Ok, je vais finir mes pensées. Pour impliquer les personnes d'appliquer les idées écologiques dans le modèle d'entreprise. J'ai deux idées différentes et puis je vais donner la parole au public. Premièrement, à deux côtés, les personnes peuvent parler. Il y a deux micros. À droite et à gauche, il y a les micros devant. Si personne ne veut parler d'un côté, tout le monde ici peut parler. On a seulement 2 minutes chacun de parler. S'il vous plaît, restez court. Comme ça, on aura assez de temps pour toute la discussion. Je commence par ici. Je vais parler en allemand. Je ne veux pas être hostile. On parle de pouvoir. Je veux souligner quelque chose. Il y a beaucoup de jeunes ici. On sait comment faire les politiques. Je suis militante de climat et j'ai fait des stratégies à FFF Allemagne. Je veux parler d'un mouvement qui m'énerve. Maintenant, il est mort. Et avant d'agir, ça finit. On est une organisation qui était avait beaucoup de pouvoir. C'était pour la stratégie du climat. Il y avait 4 millions de personnes dans la rue et on avait le perspective en 2019, mais après il y avait la pandémie. Il faut avoir les masses dans la rue. Peut-être un grève générale. Et je ne vois pas un mouvement qui peuvent faire cela.
Dernier point. En tant que membre de FFL, je suis étudiant, mais je n'étudie plus. On veut occuper les universités partout dans le monde. C'est ça qu'on s'appelle Occupy. De 10 heures du matin à midi demain, on va parler de comment appliquer à l'autre côté. Je pense que le jeune qui sort là, il a raison. Nous ne devons plus dire que nous sommes en démocratie. Nous sommes dans une oligarchie un peu éclairée par le pouvoir des multinationales. Et la seule manière de mettre fin à ça, c'est effectivement organiser dans toute l'Europe une action collective européenne. Et pour en Europe avoir une action collective européenne, on doit se donner d'autres moyens. Alors quand on dit est-ce qu'on peut parler d'écologie dans une entreprise, c'est impossible aujourd'hui. Parce que dans l'entreprise, il n'y a qu'une seule chose qui compte, die Balancen. Et dans les bilans, on ne compte que de la monnaie. On ne compte pas le travail et on ne compte pas la dépense énergétique. On doit repenser une comptabilité, et il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui incluent l'environnemental et avoir un bilan environnemental et un bilan social. Et une troisième chose pour l'Europe, pour construire une Europe, moi je propose qu'on utilise l'outil du mouvement ouvrier construit il y a 100 ans, c'est qu'entre nous, pour nous comprendre, on utilise l'espéranto. Parce que c'est la seule manière de communiquer en évitant les mécompréhensions. Sinon, il y en a qui disent « taxe » et ils pensent que c'est « impôt ». Il y en a qui disent « betriebsrat » et la traduction c'est « works council ». Et « works council », it's not a betriebsrat. Dankeschön. Wir machen so zwei, drei noch und dann. Auf Deutsch und. Je vais parler en allemand. Je veux dire. Juste que je suis ici à ESU. J'ai entendu beaucoup à propos de logement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de maison et on a parlé de beaucoup de solutions, plus d'une heure, de comment construire un monde qui ne chute pas. Mais on n'a pas entendu quelque chose sur la paix ou le désarmement. Les entreprises d'armement ont beaucoup de profits soudainement. Et j'espérais que les mouvements feront quelque chose contre ça. Les mouvements de paix ont été dans la rue, mais maintenant on a les guerres, on a l'armement. Les armements nucléaires en construit. Et ils sont dans les espaces de. On les garde. Il y a beaucoup de dangers. Donc, je veux parler d'une stratégie d'attaque où ces points sont implémentés. Merci beaucoup. Je vais parler en allemand aussi.
J'ai entendu quelque chose de très intéressant du mouvement pan-européen. C'est un arrangement comme une deuxième chambre qui est auto-organisée, qui souligne les points différents et qui donne une voix aux personnes qui n'ont pas de voix dans les espaces différents. Par exemple, qualité de vie pour tout le monde, à base, les profits de base sont très importants et cette organisation vont encourager ça. Puis un jour, il faut voter oui ou non. Et puis pour ce point, on aura un point qu'on peut résoudre. Comme toute l'audience, j'étais surpris de la dernière heure parce que je regarde, là c'est un débat de stratégie, musique, arc-en-ciel, unité. On n'a pas vraiment parlé de stratégie du tout, ce n'est pas les visions, mais il faut avoir les visions, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on y arrive? S'il vous plaît, parlez de ça. Je suis très d'accord que je pense que c'était la première personne, mais je ne vois pas le musique, je ne vois pas l'arc-en-ciel. Ouais. Où est l'arc-en-ciel? Il y a beaucoup de jeunes. Et donc, je vois l'unité et c'est... Je suis fâchée. Je n'ai pas de questions, j'ai une exigence. J'étais dans un atelier hier sur la stratégie. Le thème d'aujourd'hui, c'était avec les autres personnes. Avec Alice de Portugal qui a 20 ans, j'exige et je veux savoir si le public est d'accord avec moi. Je viens, on apporte Alice au podium parce qu'elle a beaucoup de connaissances sur ce sujet. Et je pense que le public est d'accord. Donc on fait cela. J'ai déjà parlé, donc... Habe ich so verstanden? Je pensais que ça serait être maintenant. On va faire une petite pause. On a eu beaucoup de questions et on veut répondre à beaucoup de questions. Je ne comprends pas, désolée. Merci beaucoup pour l'initiative. J'ai une idée à partager. On a les entreprises qui parlent dans les secteurs publics. Toute chose n'est pas orientée vers la profit. Ici à Mönchengladbach, on a les transports publics qui ne sont pas orientés vers le profit. Je pensais que je pouvais parler. Quelque chose qui n'est pas confortable pour moi. Je pense qu'il est important de penser pourquoi est-ce qu'on a arrêté Fridays for Future, mais ici n'est pas le lieu de parler. C'est vraiment pour les petits groupes. On l'a fait aussi pour Scientist Rebellion Group. On avait les statements différents pour en parler des stratégies. Je pense que pour quelques personnes, c'est une manque. Mais ce n'est pas
ici, on ne va pas parler ici de ça. On ne sait pas vraiment où on va et on ne sait pas vraiment comment s'organiser. Il y a beaucoup. C'est un thème très complexe. Quand on parle des stratégies, on ne va pas parler ce soir parce que c'est trop complexe. Les stratégies sont bien sûr importantes, mais il faut regarder les conflits individuellement. Ce n'est pas un grand topic, mais on a eu beaucoup de thèmes petits qu'on a discutés. Une petite chose. Quand on a décidé comment faire ce plénière, on a décidé de donner la parole au public. Merci d'être venu avec nous. Je sais que les jeunes ont une perspective différente de leurs expériences. C'est seulement une phrase. Ce n'était pas l'objectif d'être master des théories de stratégie, mais de revenir en base, dans les racines, et de construire au-delà une stratégie. En général, on n'a pas les moyens financiers d'exploiter les autres ou d'être violent contre la planète. On peut donner la responsabilité à ceux qui ont des ressources pour agir. Nous, les peuples, on n'a pas la capacité. On combine les stratégies. Mais premièrement, c'est trouver les alliances. Nous sommes les peuples et tous ceux qui souffrent de la justice. Et ça, c'est important pour les stratégies, de trouver le pouvoir. Deuxièmement, j'insiste et je suis ouvert au débat. Il faut avoir le droit juste. C'est le point des syndicats pour avoir la loi juste pour nous protéger. Pour tout le monde qui souhaite être violent contre la planète. Donc, créer les alliances, avoir un accord commun pour prendre des décisions, c'est la base d'une stratégie pour changer les institutions. Alors, je comprends que vous êtes frustré. Je me sens aussi frustré parce que je pense que le moment où on est maintenant, on souhaite discuter les prochaines étapes et c'est vraiment important. Je sais que dans les ateliers différents, il y a les idées qui sont partagées. Et il y a les points qui ont été discutés aussi ici, qui sont importants pour nous, pour la future, de penser différemment et plus ensemble. Quelles sont nos idées? De les élaborer plus profondément. Je veux ajouter une stratégie ou peut-être une prochaine étape qu'on peut discuter dans les groupes féministes. C'est grand. Il est important pour les femmes dans le secteur d'éducation et les soins non rémunérés et aussi pour la police. En Autriche, on travaille avec ces groupes. On a une initiative qui travaille sur
plusieurs éléments. On a discuté une grève féministe 2024, si j'ai bien compris, d'avoir une grève européenne collective, d'agir. Ça prend un peu de temps pour organiser. Le groupe de féministes qui sont ici, je veux implémenter cette idée. Merci. Merci. Maintenant, nous avons assez peu répondu aux questions ou les réagi à ce qui a été dit, aux propositions. Peut-être qu'on va le faire dans un deuxième temps. Alors, deux minutes, comme tous les autres. Soutien court. Est-ce que ça marche? Ça marche. Alors, je m'attendais pas à ça. Mon nom est Alice. Je suis de Climat Simon et Fridays for Future Portugal. Une chose que je voulais dire, c'est que je ne parle pas de Fridays for Future, les luttes de Fridays for Future, mais c'est une discussion que nous devons avoir. Quelqu'un m'a demandé de venir là. Je ne me considère pas comme une activiste jeune. Je suis une militante pour la justice climatique. Et c'est de ça qu'on parle. Donc nous ne parlons pas de Fridays for Future, mais on parle de tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a loupé jusqu'à présent. Quand on parle de stratégie, on parle de réduire les émissions drastiquement jusqu'à 2030. Se battre pour 1,5 degré. Et ne pas renoncer à ça, parce que renoncer à ça, c'est reculer devant le capitalisme. Ça, c'est notre mission, et toutes les stratégies qu'on fait pour démonter le capitalisme doivent mener à la révolution, et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore entendu ici. Donc, c'est ce que je veux dire, et c'est important qu'on ait la discussion sur pourquoi les choses qu'on a essayées ont échoué. Pas juste pour le mouvement des jeunes. Nous essayons différentes choses, nous nous radicalisons, et nous devons essayer de travailler ensemble. Nous ne devrions pas perdre cette vision que nous avons une deadline et que nous avons une mission à accomplir. Donc on va continuer avec le public et ensuite on prendra plusieurs questions à la fin. Je parle en allemand. Ce qui me met un peu mal à l'aise par rapport à ce que vous proposez sur ce podium, ce que vous avez annoncé sur ce podium, c'est que vous ne parlez pas du temps limité que nous avons pour faire les transformations. Le dernier GIEC, rapport du GIEC, dit qu'au cours des 10 prochaines années, nous devons réduire considérablement les émissions et le gaspillage de la nature pour permettre une survie des humains sur cette planète. Et Oli, quand tu parles de « il y a des alternatives », oui, mais ça ne va pas être possible que ces alternatives soient hégémoniques en ce temps limité. Nous avons déjà beaucoup de connaissances, oui. Fridays for Futures a essayé, avec ses connaissances, de le transmettre à la politique et de les convaincre d'utiliser un autre chemin. Mais il faut reconnaître que ça a eu un effet que très, très limité. Des parties du mouvement climat commencent à dire que ça ne nous suffit plus. Nous devons commencer à attaquer l'infrastructure elle-même. Ça risque de ne pas être très joli, parce que la violence d'État va réagir. Et beaucoup ne vont pas vouloir s'y associer, parce que c'est une histoire dangereuse. Si le mouvement climat emprunter un tel chemin, de quelle manière est-ce qu'on peut être solidaire avec ça? Pour pas que ça ne détruise ses approches. Enfin, il faut qu'on réfléchisse à ça. Merci. Je parle en allemand. D'abord, merci beaucoup de me laisser parler ici. J'étais aussi dans beaucoup de chouettes ateliers sur l'intersectionnalité ou les animosités contre l'islam en Europe.
Et j'ai entendu que en tant que mouvement social, si on veut attaquer des problèmes, il faut qu'on soit moins eurocentré, ou qu'on soutienne les groupes marginalisés. Et j'aimerais en entendre plus là-dessus, parce que de la part de toutes les parleurs sur le sud global, je l'ai entendu comme un cri et on ne l'a pas vraiment entendu ce soir. Mon nom est Manfred, je viens de Krefeld, je parle allemand. Comme vous entendez, Ulrich, tu es ici représenté comme la sociodémocrate. Tu as le droit d'être là comme invité. Je veux parler des syndicats parce que là, je sais un peu en dire quelque chose. Quand tu as parlé des FIS de manière répétée, les transports communs en commun, par rapport à la prolongation du ticket à 9 euros et un prix 6 fois plus élevé, ils disent qu'on peut le mettre à disposition. Qui en Allemagne utilise les transports en commun sans prendre de billets? Nous avons une règle que quelqu'un peut atterrir en prison. Et c'est eux qui organisent ça avec leur contrôleur. Voilà pour les transports en commun. Voilà. C'est une illusion, un rêve que j'avais dans les années 70. Nous avons cru que nous pouvions faire quelque chose à partir des syndicats. Et on a réussi des choses. Des points de gestion des différents syndicats dans les communes ou les secteurs où ils étaient responsables. Non seulement ce que les conseils leur disent de faire, les comités d'entreprise. Rien. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il ne se passe plus rien. Quelle situation avons-nous? Schröder à Davos dit qu'il a créé le plus grand secteur de bas salaire en Europe. Un tarif défendu à côté de l'autre. Nous ne sommes plus dans les années 70-80. Nous avons une toute différente situation dans les syndicats. Il y a quelques semaines, il y a eu une nouvelle représentante de VGB, des syndicats VGB, DGB. Les membres sont devenus un quart de ce qu'ils étaient. Il n'y a plus grand-chose là. Ils ont du mal à avoir encore des membres. Ça, c'est la situation. De l'autre côté, bonjour, je m'appelle Noémie, je suis militante pour la justice climatique en France. Si je prends la parole là, peut-être que j'ai mal compris l'intention de cette plénière, mais moi dans le programme je lis que c'est comment organiser nos luttes, est-ce qu'on veut marcher séparément, est-ce qu'on veut frapper ensemble, dans quelle structure, dans quel réseau souple, espace de liberté on veut s'organiser. Et pour l'instant en fait j'entends une diversité de visions. C'est hyper intéressant, mais en fait, si je veux voir toutes ces visions, il suffit d'aller sur le site d'Attaque, il suffit d'aller lire votre livre, il suffit d'aller voir ce qui se passe pour avoir toutes ces visions. Par contre, là, ce que j'ai pas, c'est est-ce que, par exemple, ce qu'a dit Alice, il y a des gens qui s'y retrouvent ou pas? Est-ce que ce qu'a dit Ulrich, il y a des gens qui s'y retrouvent ou pas? Est-ce qu'on veut avancer ensemble là-dessus? Oui, non, comment on s'organise? Comment on communique entre nous? Comment on s'organise? Et en fait, moi, j'ai l'impression que juste on parle et qu'on accumule une quantité de visions différentes incroyables, mais qu'on fait aucun tri là-dedans et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et c'est épuisant. Et voilà, c'est super facile pour moi de dire ça, je suis là, je suis pas à la place de la facilitation, on est une salle immense. Mais dans ce cas-là, ce qui est annoncé dans le programme n'est pas du tout le jeu de la session. J'ai dit, merci.
Je vais parler en français. Je suis Niels, je viens des Pays-Bas. Je suis un activiste climatique dans le mouvement des syndicats aussi. Les camarades de Fridays for Future ont parlé de pouvoir. Et je pense qu'une organisation comme Fridays for Future fait des émules, encourage des grèves venues du mouvement syndical. La question, c'est quel pouvoir on a, mais aussi la différence entre pouvoir et influence. Fridays for Future a été influent dans les discussions sur la crise climatique, mais ils ne sont pas puissants. Je pense qu'un syndicat montre du pouvoir. Je pense qu'un syndicat montre son pouvoir quand les gens arrêtent de travailler. Il n'y a aucune possibilité pour les chefs de gagner du profit quand les gens ne travaillent pas. Et les grèves sont une manière pour le mouvement ouvrier d'avoir du pouvoir. Donc, en tant qu'activiste de la climatique, la justice climatique, nous devons trouver, en tant que grande gauche, de trouver comment construire ce pouvoir. Il va y avoir une crise urgente en face de nous. Si nous ne sommes pas prêts pour nous battre, pour construire ce pouvoir, de construire des bastions de protection contre des très difficiles conditions de crise, ma question ici, à la table, si vous voulez y répondre, où est-ce qu'on voit dans les prochaines 6 à 12 mois la possibilité de rendre puissant le pouvoir qu'on a déjà ou de travailler avec les alliances qu'on a pour gagner en pouvoir dans les difficultés à venir? Donc ça, c'est pour moi une question stratégique. En allemand, la thématique de la guerre a été abordée. Et qu'est-ce que ça a produit qu'on s'arme de nouveau? Ce n'est pas juste une guerre dans laquelle la Russie a agressé l'Ukraine, mais c'est une guerre avec beaucoup, beaucoup de représentants. C'est une bataille continentale. Les USA sont au levier et sont pour l'instant les gagnants, dans la mesure où cette guerre, jusqu'à présent, est allée. Et la Chine se trouve en arrière-plan comme l'État qui doit être combattu. Et la tricontinentale, pour maîtriser la tricontinentale. Il a été aussi question de sanctions et de leurs conséquences, mais il manque des aspects très importants. À cause des sanctions, tout ce qu'il y avait de politique verte, les prémices d'une politique verte a été retournée d'une manière pour le long terme. Par exemple, LNG, gaz liquéfié, ce qu'on est en train de mettre en place, on ne va pas pouvoir l'arrêter facilement, rapidement. De même manière, la question de la construction, l'utilisation de centrales nucléaires, qui sont soutenus en plus par l'Union européenne. Donc j'aimerais bien encore en prendre deux de ce côté-là, et de l'autre côté, éventuellement plus personne. Et après, on va aller dans le dernier tour pour qu'on puisse terminer pile à 10 heures. Dernier tour, ça veut dire que vous trois, vous pouvez encore réagir. Vous quatre. Alors, très court, il y a beaucoup de mots-clés sur lesquels je pourrais m'appuyer, mais d'abord, le mot-clé stratégie. Nous avons, en tant qu'ancien mouvement anti-nucléaire, nous avons
atteint pas mal de choses en Allemagne et la situation que nous avons en Allemagne, mot-clé automne, mot-clé situation d'énergie et hausse des coûts, ça va nous mener à ce que beaucoup de gens, et notamment dans le mouvement Fridays for Futures, peuvent s'imaginer qu'on peut se rallonger la durée de vie des centrales nucléaires. Différentes personnes qui avaient une couleur verte dans un certain parti, même des gens qui ont participé à fonder notre mouvement à Gorleben ont d'autres points de vue. Donc sur le mot-clé de décroissance, j'aimerais parler de l'Organisation internationale de l'énergie atomique qui a publié à Glasgow que l'industrie atomique a besoin pour conserver le status quo. On a besoin d'elle pour le status quo. Tout ce qui va se passer à l'automne et tout ce qui va se passer comme manifestation dans n'importe quelle rue, s'il vous plaît, n'exigeons pas le rallongement de centrales nucléaires. Nous n'avons pas d'arguments à apporter là-dessus. Il suffit de regarder la situation, de parler de Saporitcha, de regarder Saporitcha et ce qui se passe en France. Merci. Bonjour. En anglais, je suis Luciana, je viens d'Argentine, ATTAC Argentine, et je voudrais dire que j'adore ce qui s'est passé ce soir. Je vais dire deux choses. Je ramène avec moi, chez moi, une chose, le gap de génération. Que nous soyons respectueux les uns envers les autres. J'avais 20 ans quand la bataille de Seattle, j'ai 32 maintenant, 33. J'étais jeune quand les zapatistes sont sortis de la jungle et ils étaient des alternatifs. J'ai appris beaucoup de personnes plus âgées et parce qu'ils ont vécu des choses. Nous n'avons pas besoin de créer un nouveau gap générationnel, mais le fait que Alice est là devant, c'est beau. Ça montre que maintenant je suis dans ma quarantaine, nous vous écoutons, les jeunes, je me sens jeune de toute manière, mais les jeunes, j'étais comme ça, j'avais beaucoup d'idées, mais soyons respectueux et ne créons pas un gap générationnel. Et c'est bien que nous ayons ça, et cette fille est géniale. La deuxième chose que j'emporte avec moi, j'ai pu discuter avec des gens que je connais depuis longtemps, de nombreuses années. On a besoin de discussions politiques. On ne peut pas répéter le format des forums mondiaux de solidarité sociaux. Nous avons 5, 7 ici. Nous avons besoin d'espace pour discussions politiques. Nous avons une crise d'alternatives. Personne ne sait vers quoi on va. On n'a pas de narratif. Nous avions des images vers quoi aller. Nous avons besoin de discussions politiques. Nous avons besoin de nous réunir dans des réunions politiques. Discutons nos différences. Discutons ce qui va, vient et ce qui va. Si c'est une stratégie, si c'est un objectif, si c'est des tactiques. Mais nous avons besoin de discuter de politique. C'est ce que nous devrions chercher. Les gens travaillent là-dessus. Nous devrions travailler et viser cela. Merci. Dernier tour. Ok. Auf das Wort. Ulrich veut commencer, donc je lui donne la parole. Je vais parler 30 secondes et après je donne une minute et demie à Alice, parce que je voudrais en savoir plus de son atelier. Alors, j'aimerais bien que tout le monde quitte la salle avec trois idées pour continuer la lutte. Alors, en ce qui concerne le titre « Mosaïque, arc-en-ciel, unité », oui, il faut regarder les domaines là où il y a les conflits. Et en fait, ce n'est pas un mosaïque et ce n'est pas de l'unité non plus. Il y a des différents points de vue. Et un dernier point, attaquer l'infrastructure
Et parler avec les groupes marginalisés, les transports en commun, les syndicats, ce sont des sujets tout à fait différents. Et pour chaque sujet, il faut une stratégie. Donc je voudrais juste parler du caractère de cette réunion d'aujourd'hui, de cette session plénière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut continuer le travail? Et comme j'ai dit, pour chaque domaine, il faut une stratégie. Et maintenant, je donne la parole à Alice. Ou en fait, c'est Maga qui commence. Alors, moi, j'ai préparé un discours de 25 minutes pour parler des différentes théories, mais Andreas m'a dit que c'est pas une très bonne idée. Alors, je suis très heureuse d'écouter vos différents points de vue, c'est très important pour mon travail. Et je voudrais conclure en disant que nous avons besoin de personnes qui comprennent que le monde ne va pas dans une bonne direction. C'est essentiel. Il faut être conscient que notre espèce ne va pas bien. Et moi, je suis une personne plutôt âgée. Et je vivais dans un monde où on ne pouvait pas parler du féminisme, par exemple, c'était pas un bon mot. Et aujourd'hui, je peux en parler et je vois que la jeune génération nous pousse, que cette génération veut parler de ces choses. Et ils font un bon travail, c'est ce qu'il faut faire. Et nous, on est derrière vous. Je pense que cet siècle va être le siècle des femmes. J'en suis sûre. J'en suis convaincue. Dans ce siècle, et je ne connais pas la date, si c'est en 2030, 2031, mais les choses vont changer. Il n'y a pas d'alternative et il faut développer une stratégie en commun. Et s'il y a quelqu'un ici qui attend un modèle, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas un modèle. Nous vivons un moment où nous avons la possibilité de faire changer les choses. Nous pouvons développer des technologies, nous pouvons faire avancer la démocratie dans nos pays. Nous pouvons développer de nouvelles perspectives, de nouvelles stratégies et aussi réaliser nos idées, nos plans. Le plus important, c'est de réagir, d'agir, d'aller dans la rue. Et la communication avec les autres fait partie de chaque stratégie. De peindre des murs, de se communiquer, de propager des idées, c'est très important. C'est une partie essentielle de toute stratégie. Merci beaucoup. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec les autres. Malgré tout, c'était une discussion très importante. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons entendu beaucoup de propositions, beaucoup de réflexions qui ont été expliquées, présentées, des idées plus claires, des idées moins claires, moins concrètes. Mais tout va dans la bonne direction. Ce sont des inspirations pour nous tous. Et ce titre, mosaïque, arc-en-ciel, unité, c'est des aspects qu'il faut, oui, il faut tous les trois aspects. Et ce que les camarades de Fridays for Future ont présenté, les occupations des universités, c'est peut-être une bonne idée. Et si c'est une bonne idée, il faut commencer cela et cela va inspirer les autres. Et si d'autres groupes veulent commencer d'une autre manière, c'est aussi très important. Nous avons parlé des augmentations des coûts et nous avons dit qu'il est important de trouver une approche plus coordonnée, d'aller ensemble dans la rue. Et c'est un aspect que je voulais souligner. Et un autre aspect,
Ici, nous avons pu vous nous mettre en réseau et nous pourrions, par exemple, former des groupes, par exemple, sur l'augmentation des coûts, créer un réseau et créer aussi des réseaux pour d'autres sujets. Et cela peut permettre aux autres qui n'étaient pas présents ou qui n'étaient pas dans dans tel atelier de joindre ce groupe. Et une dernière chose que je voulais dire, pour moi, à cause de la pandémie et à cause du Forum européen social, c'était la première fois depuis très très longtemps que j'étais dans une telle salle avec tellement de gens pour nous réunir. Et je pense que nous avons absolument besoin de cela et nous aurons besoin de cela dans le futur aussi. Et nous avons déjà reçu une invitation pour aller à Florence en novembre. C'est le premier forum social européen a eu lieu à Florence il y a 20 ans. Et l'idée, c'est de parler de plusieurs sujets. Par exemple, l'augmentation des prix, mais aussi d'autres sujets. Et ce serait une bonne opportunité pour nous réunir et pour parler de la stratégie et inclure les expériences et les réflexions d'ici. Et ainsi, nous pouvons trouver encore plus de solutions et de réponses. Alors, je vais parler en anglais. On a dit qu'on a vraiment aimé notre stratégie. Et cette stratégie est en fait une combinaison de plusieurs tactiques. Ça peut paraître un peu banal, mais cette stratégie dépend aussi de l'application et des changements. Et il est très important de parler de différentes tactiques qu'on peut appliquer pour atteindre les changements souhaités. Personnellement, je pense que nous pouvons seulement résoudre les problèmes en changeant le système. Il faut absolument rendre les crises plus visibles pour que les gens parlent aussi de ces crises. Et on peut atteindre cela avec de la mobilisation. Il faut absolument mobiliser plus de personnes. Les mouvements de jeunes font déjà ce travail, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été présentes ici. Nous en avons parlé pendant le programme. Il aurait été bien de parler plus de ces différents mouvements. Mais cet automne, nous pourrions commencer de nouveau cette mobilisation. Ça pourrait devenir un nouveau point de départ pour la mobilisation. Et en plus, il faut travailler, il faut coopérer au niveau international. Dankeschön, dann habe ich noch genau 5 Sekunden. J'ai encore 5 secondes pour remercier à tout le monde, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, et aussi merci aux interprètes. Et je vous souhaite une belle soirée.